cette année, parmi les révélations, ils sont 7. 4 garçons, il y a des ex-échos, et 3 filles. Pour eux, une victoire, c'est un peu... Les Césars de la musique. Donc c'est un peu comme si j'étais meilleur espoir féminin. C'est comme un ballon d'or, on va dire, pour nous. Et voilà, quoi, ça fait toujours plaisir. Hein. Dans une industrie qui se remet du Covid, les jeunes talents restent les plus fragiles. Alors une exposition, en plein cœur de la cérémonie, c'est un réel enjeu, car il s'agit de se faire découvrir. J'espère être assez solide pour la presta. Tu vois, pas chanter faux. C'est un peu quelque chose vraiment très grand public. Et donc, on va voir, je vais me confronter à ce public-là. Histoire de sortir de l'ombre et rejoindre les futurs grands du palmarès. Stromae fera la course en tête cette année, 4 nominations, en lice face à Big Flo et Oli, et au trio Grand Corps, Ben Mazuet et Gaël Faye chez les hommes. Angèle, 3 nominations au total, sera de son côté face à Isia et Pomme pour le prix d'artiste féminine. Malgré la dominance du rap dans les ventes aujourd'hui, les victoires sont toujours un peu à la traîne, mais au total... Cette année, il y en a 4. Ça fait un quart. C'est pas encore ça, mais ça progresse. Les artistes sont en tout cas prêts à faire des folies s'ils l'emportent. Si je gagne une victoire cette année, je vais à Venise avec ma mère pour célébrer, parce que j'adore la City Trip, j'adore ma mère. Et tout ça ensemble, ça fait qu'on célèbre. Je vais en club fêter ça comme il se doit. Plus qu'un mois à attendre, réponse le 10 février.